chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 30 juin 2023. Vous entendez les cigales. Alors, aujourd'hui, comme promis, je vais faire la vidéo pour le mois de juillet, pour la France. Et puis, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires très gentils hier sous la dernière vidéo. Oui, il y en a eu qui m'ont touchée. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'est revenu là en tête. Je suis sûre que certains d'entre vous aussi. Il y a quelques semaines, les jeunes nous parlaient, rappelez-vous, je vous avais dit, au moment des vacances étudiantes, je voyais les jeunes qui allaient entrer dans la danse. Alors à l'époque, je pensais que ça allait être par rapport à la réforme des retraites. J'avais vu vraiment des mouvements de jeunes, j'avais même intitulé une vidéo vers un mai 68. Et là, ça m'est revenu, on est bien en période de vacances étudiantes, on a bien ces révoltes de jeunes. Donc ce n'est pas pour la réforme des retraites, mais bon, à l'époque, je ne pouvais pas me douter de ce qui allait se passer. Et j'y ai repensé, hein, on a bien ces mouvements de jeunes, hein, donc voilà, les cartes nous l'avaient annoncé, mais bon, après, pour contextualiser à l'avance, c'est pas toujours évident. Donc, on va voir, pour le mois de juillet, j'ai préparé deux jeux. Tout d'abord, l'oracle de Claude Alexis, parce que c'est justement lui qui nous avait parlé de ça. C'est pour ça que j'ai pensé à le prendre aujourd'hui. Alors, l'oracle de Claude Alexis pour la France pour le mois de juillet 2023. Que va-t-il se passer en France en juillet 2023? Je me concentre et c'est parti. La santé dans la coupe. L'amitié. Alors là, c'est des associations qui me viennent à l'esprit au niveau santé, sanitaire. Alors, il y en a une, on aura peut-être des nouvelles, on en a déjà parlé, les cartes nous en ont déjà parlé. Donc, apparemment, ce mois de juillet, on va entendre parler d'action ou de création d'associations en lien avec la santé. Alors, c'est parti. Alors, on a un échec, quelque chose qui tombe à l'eau. On a la musique et chanson. On a la passion, ça c'est une fête, hein. Ça, pour moi ça peut déjà dessiner la prochaine fête du 14 juillet, on va voir. Personne âgée, femme âgée, un éloignement. Bon, donc là j'avais vu aussi, hein, pour les nouveaux qui arrivent, qu'au moment du 14 juillet, qu'il y aurait vraisemblablement peut-être soit interdiction de se rassembler, soit des limitations. Donc maintenant on commence à comprendre un petit peu aussi peut-être le contexte, l'ambiance. Donc, ça pouvait aussi nous indiquer ça. Alors, échec, on va recouvrir. Obstacle. Donc là, on a quelque chose qui ne se fait pas, qui tombe à l'eau, des obstacles, blocages, empêchements. Je vais continuer. Déplacement. Bon, on y est. C'est ce que nous disait la vidéo d'hier. Je vous avais dit qu'il y aura limitation de mouvement. Là, on a limitation de déplacement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, donc j'avais demandé est-ce qu'il y aura un état d'urgence, est-ce qu'il y aura couvre-feu, est-ce qu'il y aura confinement. Ça allait plutôt vers des limitations locales. J'avais dit surtout pour éviter des pillages, hein, avec le Béline, il y avait la carte vol-perte qui sortait, hein, dans des lieux éloignés des villes. Donc pour moi, ce serait ponctuel dans le temps et dans l'espace, hein, s'il y a des limitations de mouvement. Là, ça nous le redit. Alors, je vais essayer de creuser. Personne seule isolée. Personne seule et isolée. Discussion. Une femme. Bon. Alors, il va y avoir des discussions autour de ça, hein, autour de blocage de déplacement, donc de limitation de déplacement. Donc là, on est dans le contexte social, je pense. Oui, il y aura vraiment des gens qui pourront plus se déplacer. Là, voilà. Alors, on va continuer. Musique et chansons. Mariage, donc en fait, là, il y a une festivité, il y a des festivités. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le 14 juillet? Naissance de quelque chose. Alors, on arrive aussi en période, là, on arrive, on y est même en plein, dans la période aussi des cérémonies, des mariages, des fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Il y a un événement qui va attirer, là. Il y a le magnétisme. Il y a un événement qui va attirer du monde, attirer une foule. On nous dit que c'est une célébration, une cérémonie. Pour moi, c'est le 14 juillet. On est là-dessus. Allez, je continue. Rivalité. Voilà, on l'avait vu aussi. Hein, des oppositions. Donc, voilà. Donc, soit il y aura une interdiction pour les gens de se rendre
pour commémorer 14 juillet, soit des interdictions de rassemblement, des choses comme ça. Maintenant, on voit un petit peu plus que, vu le décor social, à peu près ce qui a pu provoquer ou ce qui va peut-être provoquer ces interdictions. Alors, travail de bureau, le travail. Ah, alors, des gens qui travaillent dans l'opposition. Ok. Ouf, séparation. Ah oui. Alors là, on nous parle du 14 juillet. Rappelez-vous, j'avais vu aussi qu'au moment du 14 juillet, on aurait une annonce. On aurait un bouleversement au niveau de la vie politique. J'avais terminé une vidéo là-dessus, un tirage là-dessus, en disant que ce sera soit une dissolution, soit un... pour le gouvernement, là, remaniement. Vous savez que quand je suis en état de voyance, pour ceux qui arrivent, je ne trouve pas mes mots. Hein. Donc, parfois, je bafouille, etc. Donc, bon. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Alors, là, on est... Ça nous dit la même chose. Là, on est aux alentours du 14 juillet. On a des gens qui travaillent dans l'opposition. On a une fracture. On a une séparation. Hein. Donc, pour moi, ça reconfirme qu'au moment du 14 juillet, il y aura un événement niveau politique. On va essayer d'en savoir plus. Une femme blonde. Voilà. Bon. Voyez, j'ai beau prendre différents jeux, tous les tirages nous disent la même chose. Donc ça, c'est exactement ce que nous a dit un jeu récemment. Donc, est-ce qu'elle va demander quelque chose, hein? Elle va faire une annonce. Bon, ça fait plusieurs jeux qui nous le disent. Travail, travail, ouais. Ça peut avoir un lien avec soit une proposition de loi, soit quelque chose. Soit une proposition au niveau donc, de l'Assemblée. On a quelque chose. Donc, je ne vais pas mettre 40 000 cartes. Je vais essayer d'en mettre encore une. Procès, voilà. On a quelque chose d'officiel, de légal, voire de juridique. On a quelque chose, là. Un recours, il y a quelque chose. Qui va être à l'initiative d'une femme blonde? Qui est en rapport avec une fracture, peut-être, au niveau de l'Assemblée? Ouais, elle va soit demander une dissolution, je ne sais pas. Bon, est-ce que cette femme blonde, est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est la Première Ministre? Je ne peux pas être sûre à 100%, bien sûr. Je pense que c'est elle, mais en tout cas là on a bien quelque chose et vous avez vu ça va arriver juste au moment où après le 14 juillet on a un recours légal, quelque chose d'officiel. Bon allez, j'en mets une parce que voilà, c'est des avocats. Bon, c'est des avocats, ça peut être préfet, ça peut être magistrat, juge, on a quelque chose là il y a la loi, il y a des gens de loi. Oui, bah écoutez, on verra parce que là, c'est dur de mettre tout le jeu là-dessus. Alors, on a, en tout cas, ça a quelque chose de légal ou de constitutionnel. On a la passion, donc la fête, les jeunes. Ah bah oui, là on y est, je crois. Hein. Je crois que là, on y est, là. Il y a une protection, hein. Ouais, il y a une protection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le danger, ouais. Vous voyez, là, ça veut dire que les rassemblements de tous ces jeunes, je ne sais pas si c'est ça, hein. On a des flammes, là, on a le danger. Il va y avoir peut-être des drames évités par l'action, écoutez, par une action divine. On a un ange qui déploie ses ailes sur le danger. Il y a peut-être des drames qui vont être évités grâce, eh bien, aux prières, grâce à l'action divine, je ne peux pas dire autrement, hein, face à un ange qui déploie ses ailes sur ça. Hein. Danger. Alors, ok. J'en remets une. Femme brune. Danger, femme brune. Ça peut être à Marseille. Voilà, je vous dis ça, ça me vient. Hein. Les choses, elles me viennent aussi comme ça. Hein. Ouais, il va y avoir un danger évité. Bon, alors, ça peut être à Marseille. Ça m'est venu comme ça. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. Hein. Bon, ailleurs, je ne sais pas. Alors, on a femme âgée, éloignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Homme. Un homme avec une femme plus âgée. Ça peut être le duo exécutif aussi. Alors, des nouvelles, ok. Chance, bon, des nouvelles assez positives apparemment. Dispute. Bon, il y a des discussions là, évidemment, hein, parce que bon, bah, y en a qui demandent des mesures plus ou moins fortes. Trahison, ouais. Bon, là, il se passe des choses au niveau de décisionnel, hein, au niveau du pouvoir, au niveau de l'exécutif. On va avoir des nouvelles. On nous dit chance sur des disputes et des trahisons. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça va parlementer, ça va.
Héritage, trahison, héritage. Là, on a un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'argent. Alors, ça peut aussi parler d'aides qui peuvent être octroyées. Ça peut parler. Jusque maintenant, voilà, j'y voyais les caisses des retraites, mais là, je crois qu'on est passé à autre chose. Il y a des mésententes au niveau politique par rapport à peut-être certains qui voudraient octroyer certaines aides et d'autres qui sont contre. On voit bien deux personnes qui s'opposent et qui se disputent là, par rapport à ça. Un budget, peut-être sur le vote d'un budget. La fête. Héritage, fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Amitié, ah oui. Fête, amitié. Là, on est dans quand même quelque chose d'assez festif. Des rassemblements calmes, hein. Là c'est pas. Est-ce qu'il peut y avoir un retour de mécontentement concernant la réforme des retraites avec des nouvelles aussi concernant l'argent? On a entendu parler qu'il y aurait des nouveaux comptes qui auraient été faits et qui diraient que ce n'est pas encore à l'équilibre, etc. Au niveau des retraites, est-ce qu'on va entendre parler de ça? Mensonge, ouais, je pense que ça peut être ça. Il est possible qu'il y ait de nouveau hein, des mouvements encore, mais là tout à fait bon enfant, hein, mais qui serait au niveau de contestation, au niveau des retraites quand même, parce que là je vois quand même une caisse. Bon, en même temps, là n'empêche pas ce que j'ai dit avant, hein, et ce serait par rapport à certains comptes, mensonges. On va encore apprendre des choses, de toute façon je vous avais dit que pour la réforme des retraites, on en entendrait parler jusqu'en automne. Et là, ça va donner lieu à des nouvelles mobilisations, mais qui seront bon enfant, hein, qui seront, vous voyez, ça peut être des casserolades ou des gilets jaunes, je ne sais pas. Par rapport à des mensonges qu'on va apprendre concernant l'argent des retraites. Alors, donc, éloignement, ça, qu'est-ce que c'est? Le jeu. Ah, ok. Jeu artistique. Voilà ce qui me vient, c'est quand j'ai vu le mot jeu, là, en ce moment. L'organisation des Jeux Olympiques, éloignement, bon c'est l'été prochain, est-ce qu'il peut y avoir un report, est-ce que je sais pas, je pense pas, mais on a jeu artistique, donc là on est dans l'organisation, voilà, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, attente, oui il peut y avoir, pour l'instant on dirait que ça s'est mis en suspens, parce que justement, on l'a vu dans le jeu d'avant, ça va dépendre du contexte social évidemment, alors comme si là ça allait être un peu bloqué, cette organisation pour l'instant, des Jeux Olympiques, le feu, voilà, par rapport à cette période-là d'embrasement, voilà. Feu, maison de campagne, qui risque de durer pendant là une certaine période, même si moi je ressens, je vous l'ai dit hier, ben, d'après les cartes, qu'on en arrivera à un apaisement, un certain apaisement, et en tout cas, espérons-le, ouais, danger, ouais, danger. Donc, ça va être mis en suspens, cette organisation de JO, parce qu'ils attendent de voir comment les choses vont évoluer. Alors maintenant, ce qui me paraît intéressant, j'ai préparé l'oracle bleu. Alors, vous savez que lui, il est parfois chirurgical hein, dans les précisions. Alors, vous le savez. Alors, on va voir en ce 30 juin, que peut-il nous dire pour le mois de juillet pour la France? Que peut-il nous dire l'âme sœur? Des couples, un couple, qu'est-ce que c'est? Un duo, une alliance, qu'est-ce que c'est? Alors, mois de juillet pour la France. Alors, la loi, jeune homme. Ah, ça, c'est par rapport aux jeunes, à ce qui se passe en ce moment, dans les banlieues. La loi, soit un arrêté, soit voilà, une décision qui va être prise. Alors, on va voir. L'arbre de vie, pouvoir, les arts. Allez, on va recouvrir tout avant d'interpréter. Là, on a des... Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a des fêtes de famille, des festivités. Bon, festivités, ok. Perturbation. Perturbation par rapport, là, je pense, ça nous redit la même chose aux festivités commémoratives du 14 juillet, je pense. Alors, sur la perturbation, abondance. Ah bon? Abondance de quoi? La terre. Abondance, la terre. Pourquoi? Enfant.
Alors, il va y avoir, au moment des festivités du 14 juillet, ça va être un moment perturbé, ça on le sait depuis des semaines, différents jeux nous l'ont dit, il va y avoir de l'argent qui va être octroyé pour la rentrée scolaire. Soit des aides, soit il va peut-être être décidé. Alors la prime de rentrée scolaire, je crois que c'est plutôt en août. Alors ça pourrait être autre chose. Est-ce qu'il va y avoir des aides octroyées? Le sport, le monde du sport, voilà. Il va y avoir des aides. Moi je vous avais dit que je voyais un apaisement par rapport à des mesures qui allaient être prises en termes d'association, de conciliation. Vous voyez, pour ce qui se passe en ce moment, hein, par rapport aux banlieues. Là, je pense que c'est ça. Il va y avoir peut-être des aides au niveau de création. Alors là, on voit le sport, le jeune homme, des jeunes hommes. Donc, il va plutôt y avoir, à mon sens, il vaut mieux ça qu'autre chose, des aides octroyées, alors soit pour des salles de sport, des stades de sport, des choses comme ça, pour sortir de cette situation là que l'on vit. Hein. Voilà, donc des aides, ça va être décidé apparemment aux alentours du 14 juillet. Ok, alors. Les arts, le travail. Qu'est-ce que c'est, cette femme? Changement, des changements. Des changements. Alors, qui ça concerne qui? Le feu. Période explosive. Changement. Initié. Alors là, on a plutôt une femme politique, je pense. Ah, initié commerce. Travail. On va entendre parler. Est-ce que ça pourrait pas être les syndicats? Les syndicats. Il y a quelque chose au niveau des syndicats, ils reviennent. Alors, ça dit exactement ce que nous a dit le jeu d'avant. Il est possible qu'il y ait un retour des contestations au niveau des syndicats. Donc là, ça pourrait concerner la réforme des retraites. Ou peut-être, là, on a le travail, donc des choses qui vont venir sur le tapis, là, au niveau de nouvelles mesures concernant le travail. Et je vois un retour des syndicats. Ouais. Et période explosive. Donc encore des revendications. Ouais, bah, je crois qu'il y avait une dame, une abonnée qui m'avait posé la question. Et du coup, les cartes y répondent. Le choix. Ouais. Il va y avoir peut-être des décisions prises là, peut-être de nouvelles mobilisations et de nouveaux rassemblements. On l'avait vu, encore une fois, hein, que pour la retraite, ça allait durer jusqu'en automne. Maintenant, on peut jurer de rien, ça peut être autre chose qui arrive, en tout cas sans rapport avec le travail. Décision qui va être prise au niveau des hautes sphères, il peut y avoir encore un rassemblement de syndicats intersyndicales, je ne sais pas comment, voilà. Au niveau de ceux qui sont à la tête des syndicats. Ok, et voire même du gouvernement. Oui, donc on va entendre parler des questions du travail. Ok, alors, la nuit, on a quelque chose qui se multiplie. Les jeunes... Un accord, qu'est-ce que c'est ça? Études. Les études, la rentrée, qu'est-ce que c'est? Vacances. Alors, quelque chose qui se multiplie la nuit. Donc là, je serais tentée de parler là, de la propagation des émeutes dans les grandes villes. Et là, on nous parle, donc ça concerne les jeunes, on nous parle d'un accord par rapport aux vacances, aux études. La mer. Alors là, il pourrait les vacances. Il va y avoir peut-être là une décision prise par rapport à la rentrée ou à la durée des vacances scolaires. Voilà ce qui me vient là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Espoir. Donc là, c'est plutôt l'harmonie, la sérénité. Ouais, pour ramener un petit peu de sérénité. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une décision prise en termes de date de vacances scolaires, soit qui peuvent être avancées, je ne sais pas, mais décision qui va être prise au niveau de vacances scolaires par rapport à ce qui se passe pour ramener de l'équilibre, de l'harmonie par rapport, bon, le monde effondré par rapport à là, aux émeutes. Il va y avoir une décision prise par rapport aux vacances scolaires, il y a quelque chose, soit ils vont fermer des écoles, je ne sais pas, mais au niveau, ouais, ça peut être ça. Fermeture d'établissements scolaires ou des choses qui vont être en rapport avec les établissements scolaires et les vacances pour essayer de ramener le calme par rapport à ce qui se passe. Alors ensuite, notaire, les autres, l'élévation. Alors là, on a
une signature ou quelque chose d'officiel. On a beaucoup de gens. L'élévation, alors qu'est-ce que ça veut dire? L'air. L'air, communication. Est-ce qu'on a encore un signe d'air? Non, je crois pas. Donc, cancer là. Donc, c'est la communication. Et un homme. Donc, on va entendre parler. On l'a vu là. On va avoir peut-être un discours, une annonce. Hein, je dis, on l'a vu dans la vidéo précédente. Qui va nous parler de ses émeutes. On va avoir une prise de parole. Par rapport à une décision officielle aussi. Hein, ça, on l'a vu aussi. Allez, on va continuer. Alors, hiver ou 3 mois. 3 mois, tiens. Qu'est-ce que c'est? La bienveillante femme. Et quelque chose qui se concrétise ou qui se durcit. Bon, on va avoir un discours par rapport à la situation. Et on va avoir une décision qui va être prise pour les 3 prochains mois. On va essayer d'en creuser. On a quelque chose qui couve. Oui, par rapport à ce qui couve, justement. Et là, on a... Alors, pourquoi la montagne? Tiens. Alors là, il faut que je recouvre le monde végétal. Une décision qui va être prise pour les 3 prochains mois, d'accord. Alors bon, on a une femme. Là, on a... quelque chose qui va se préparer, qui va se mettre en route. Ça peut même dire sur 9 mois, hein, cette carte-là. Et ça nous parle de prise de hauteur, peut-être. Pour voir comment les choses évoluent. Voilà. Il va y avoir une décision qui va être prise pour une durée de 3 mois. Et on va nous annoncer que ça va être le temps de voir comment les choses évoluent. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Voilà, indécision. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement là, fragile, explosif, incertain. Il y a une mesure, première mesure qui va être prise, mais ils vont dire c'est en attendant de voir comment les choses vont évoluer. C'est possible. Hein. Voilà. Après, pour savoir quoi, là, j'ai déjà mis trop de cartes. Le pouvoir et le cadeau. Voilà, il va bien y avoir là une proposition de fait. Ah, séparation. Séparation. Des intrigues, donc des choses qui se préparent un petit peu derrière le rideau. Hein. Ah oui, transformation, oh là là. Ouais, là pour moi ça peut être une dissolution. Bon voilà, je le dis tout le temps, mais de toute façon on avait vu que ce serait aux alentours du 14 juillet, donc là on y arrive. Hein. L'eau, oui voilà, on est dans la période du cancer. Hein. De toute façon, il y a quelque chose, hein, soit encore autre chose qu'on ne peut pas imaginer, mais... Bon, c'est une proposition qui va venir du pouvoir, hein, du gouvernement, et ça va marquer, là vraiment, il y a des, c'est pas des belles cartes, on a deux outils là qui tranchent, alors soit c'est une décision vraiment qui va trancher, ah oui, pour ramener le calme et la sérénité, ouais. Pour ramener le, voilà, l'harmonie, le calme, la sérénité. Donc, il va y avoir, à mon avis, une grande décision qui va être prise, une annonce. On l'a vu plusieurs fois. Mais ça va trancher, là, ça va trancher, ouais. Alors, c'est difficile de savoir, hein, je peux en remettre une. Oui, pour ramener vraiment, là, on a l'équilibre et l'harmonie. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut être, cette décision? J'ai demandé 3 questions hier à l'oracle Béline, hein, dans ma dernière vidéo. Ça peut être des mesures locales, hein, selon moi, de limitation de mouvement. On l'a vu, il y a déjà des villes où il n'y a plus de bus et de tram, là, le soir et la nuit. Ça peut être des couvre-feux locaux. Bon, mais là, il y a vraiment quelque chose qui tranche, là. Hein. Alors... voilà, on en saura plus dans des prochains tirages. Là, je ne peux pas mettre tout le jeu. Et voilà, comme on dit, suite au prochain numéro. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.